Eh bien bonjour à tous, c'est Tony John 117 pour la suite de PES. Alors avant toute chose, je vais vous faire voir les classements. Alors en France, c'est la France qui nous intéresse. Alors la Ligue 1, qui c'est qui est premier? D'accord, Rennes premier. Lyon cinquième, ça va. Dernier Lorient. Voilà. Et nous, la Ligue 2, on est 12e. Faut absolument qu'on gagne. Allez, go. On va faire le prochain match contre Guingamp. C'est parti. Bon, j'ai géré mon équipe hors vidéo. J'ai fait quelques changements. J'ai remis les matchs à 5 minutes aussi, parce que 6 minutes ça faisait trop long du coup. Enfin, je trouve. Comme ça, on pourra peut-être faire plus de matchs. Bonsoir à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. L'avant-match s'est parfaitement déroulé et les Oh, le spectateurs stade du attendent Roudourou. sous un ciel dégagé, des conditions météo parfaites pour cette rencontre. La tension, en revanche, est clairement montée d'un cran tout à l'heure. À Allez, c'est l'annonce des compositions parti. d'équipe, le speaker a beaucoup de talent pour ça. Il sait mettre l'ambiance. Et puis, on connaît l'importance du public dans ces rencontres. Voilà un stade magnifique, plein comme un œuf. C'est parfait pour ce match. Ah, dommage. Et c'est donc parti. Ils ont mis le vrai stade pour Guingamp. J'aurais pas cru. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Allez, la contre-attaque! Oui, ça va y aller! Oh là, qu'est-ce qu'il fait lui? Et c'est directement récupéré. Parce qu'il a foutu! Tire! Ah, il y a Gêne là! Arbitre! L'arbitre n'est pas là! Lors de la première journée. Il est parti en vacances, cet arbitre! Il cherche l'étincelle. S'il le trouve, et il jaillit pour prendre ce ballon. C'est joué long, c'est dangereux. Je veux mes 3 points. Où il y avait danger. Ça joue beaucoup sur les ailes. Donne-moi le ballon. Oui, face à une défense regroupée, c'est souvent la meilleure option pour trouver des espaces. Donc... Oh, c'est chaud. Mais il se calme, lui. Oh, le duel. Il est sur le côté, il peut tenter un centre. Putain, je peux rien faire, sérieux. Donne-moi ce ballon. Non, mais... Joli. Kasseldine. Allez, la contre-attaque. Qui essaye de construire l'ouverture sur le côté. Cherche un coéquipier. D'accord. Ça, je comprends pas, par contre. Les centres, j'y arrive pas, sérieux. Rodelin. Ah non. Non. Allez, t'es sérieux? Putain, je vais pas y arriver à marquer ces 3 points là. La tête. Putain, merci gardien. Le ballon dans la surface. À qui? Oh, ce centre qui n'est pas passé très loin. Une très longue passe. Ce contre peut très bien aller au bout. Mais je peux rien faire, j'ai personne pour m'aider. J'ai pas d'équipe. Allez, c'est mort. Bon bah c'est mort encore une fois. Quelle précision, le Chambly coulé. Oh oui, super tir. Ouais, ils sont trop forts Guingamp, sérieux. On y est, le compteur est débloqué. Ils ont pris l'avantage, c'est bien, mais faut pas arrêter là-dessus, faut chercher à faire le break. Baisser la difficulté, moi je crois. Je vais pas marquer un point. Redmond et ce ballon sur l'aile, il reçoit le ballon, il cherche à le servir. Oui, allez, la défense putain. Fait. Le centre était vraiment de grande qualité. Au final, personne n'a pu reprendre la balle. Longue passe vers l'avant. Ouais, là c'est mal barré encore une fois. Les joueurs vont pouvoir reprendre leur souffle et nous aussi d'ailleurs.
45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Ah, ça a manqué d'envie dans cette première mi-temps. On va peut-être voir des changements pour la deuxième période. Ça, c'est chaud. J'y arrive pas, hein. L'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période. Ouais, c'est, si je baisse la difficulté, c'est trop facile après. Captain Obvious, mais il reste encore toute une mi-temps. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Déjà qu'ils savent pas jouer, en plus ils font n'importe quoi. Sorbon qui allonge. Le ballon dans la profondeur. C'est bien donné. Je crois que j'ai pris la pire équipe possible, je crois. Vassilier. Eti, Arcas. Allez, on y croit. Il écarte, ça joue long. Mais je crois plus du tout, moi. Dans l'axe, Arcas. Oh, c'est un arrêt important, ça. Et voilà une façon de faire briller le gardien. Bien, la profondeur. D'accord. Il est tout seul. Il est sur le côté. Il récupère le ballon. Redmond. La longue passe. Ça va. Il cède sous la pression. En retrait vers son gardien. Ça, je peux rien faire, ça. Là. Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Ils n'ont plus vraiment le temps de se montrer prudents, non? Non, c'est bien vrai. Le bon dribble. Et cette bonne situation sur l'aile gauche. Il centre. Non. La défense est en sursis. Ils s'en sortent pas. C'est l'hécatombe. Arcas. Il allonge. D'accord. J'adore Chambly. J'adore. Super. Bon, ben. C'est la fin. Hein. Je crois qu'on va être viré de l'équipe. Il ne reste que quelques minutes pour ne pas avoir de regrets en fin de match. Allez, à l'abordage. Ils peuvent le faire. Allez. C'est joué long. Non, mais t'es sérieux, je peux même pas te tirer une fois, quoi. Non, mais je vais péter un plomb, moi, je joue. C'est l'occasion de procéder à un changement. C'est repoussé. Eti. Ça tire, frappe maître. Ouais. C'était cadré. Et manque de réussite. Bon, bah encore perdu 1-0. Hein. Ça joue à gauche. Et voilà. Le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre. Ce n'est ni la faute de l'arbitre, ni la faute de l'entraîneur. C'est sur la pelouse. Super, on a 0 points. J'adore. C'est joué aujourd'hui. Vous savez, après ce but, je me disais qu'ils avaient quand même le temps de revenir au score. Mais face à cette défense rugueuse, j'adore Chambly, c'est super. À part en Coupe de France, ils savent pas jouer. Merci d'avoir vécu ce match à mes côtés. Très belle soirée. Moi, je gagne qu'en Coupe de France. Ligue 1, Ligue 2, j'y arrive pas. C'est la déroute, sérieux. 17ème. Moi, je crois qu'on va jouer le maintien. Hein. Allez, qu'est-ce qu'ils nous veulent? Alors, message. Convocation de section S, les équipes nationales du monde entier ont annoncé leur liste. Nous, on n'en fait pas partie. Attends, pourquoi il y a encore un point là? Joueur préféré. D'accord. Si tu veux. Bon, salle des trophées, n'en parlons pas. Il n'y en aura pas beaucoup. Allez, suivant. Bon, Clermont. Est-ce qu'on va réussir à marquer au moins un point? Attends, fais voir entraînement 2 secondes. J'avais rien mis là.
tête. On va mettre ça. Voilà. Je voulais voir un truc. Non, ça je change pas. Et un joueur, je voulais changer, lui changer le poste, mais je sais plus comment on fait. Non, je verrai ça plus tard. Allez, c'est parti contre Clermont. Là, 5 minutes les matchs, ça va plus vite, hein. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue pour ce match. On est ravis de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous football dans un stade qui a de nouveau fait le plein. Un petit point météo, il se pourrait qu'il pleuve pendant cette rencontre qui pourrait être Allez, synonyme de on y croit. Qui fuse et qui accélère. C'est un enfer pour les gardiens, ça on sait, mais ça peut donner plus de spectacle pour vous, les téléspectateurs. Au passage, j'espère que vous appréciez ce stade. Plus un siège de vide. Si vous nous rejoignez, le coup d'envoi vient juste d'être donné. Allez, Chambly. Allez, ça peut faire mal. Dans la boîte. Il y a personne. Allez. Et c'était bien dans l'idée, mais la passe n'était pas assez précise. Bien servi. Énorme occasion. Oui. Enfin. Quelle précision, le gardien ne pouvait rien faire. C'est clair, c'était carrément hors de D'accord. portée. Des paillettes. Paillettes. Voilà. Voilà le but de Chambly. Ah, ça fait du bien. Non, on ne s'attendait peut-être pas à une ouverture du score si rapide dans ce match. Oui, ça sort. Le ballon est sorti, touche. Chambly qui court toujours après ses. Tout à l'heure, je vais te faire une tête de la butée en arrière. Mais un changement serait ah non, j'ai pas. J'ai pas le one de ski, merde. Côté, dans la profondeur. Redmond. Ah, oh, ça va. Ah, il m'a tué. Il y a attentat, monsieur. Dernier avertissement oral de l'arbitre. Coup franc court. Ah oui, c'est vrai que j'ai jamais fait de coup franc court. Ils seront pour tirer. Non, c'est pas vrai. C'est la dernière fois. Ok. Oh, il a plusieurs possibilités. Bon, on va essayer. Oh, l'occasion rêvée pour prendre le large. Ah, dommage. Au moins, c'est cadré. Le danger est écarté. C'était pourtant bien tenté, mais le gardien fait un très bel arrêt. Mais grave! Ça joue long vers l'avant. Je ne voyais pas là la balle. C'est comme la FIFA. Ça joue beaucoup. Qu'est-ce qu'elle fout là la balle? Ça peut être une solution. Oui, face à une défense regroupée, c'est souvent la meilleure option pour trouver des espaces. Donc c'est plutôt non. La tentative. Ouh. Sur le poteau. C'est bien fait, mais ça ne passe pas. Merci le poteau. Mais la frappe vient s'écraser sur le poteau. J'espère qu'ils n'auront pas à le regretter. Allez. On repart à l'attaque. Chambly qui peut avancer. Allez. Goyos. Pas mal ce tacle. Mais ils font chier. La longue passe. Voilà. Goyos. Et là, je fais quoi? Oui. Oui. Non. Tout sérieux. Ils peuvent remercier la chance cette fois. Oui, surtout qu'ils étaient en infériorité numérique. S'il avait manqué son geste, merci. Ça aurait pu leur coûter cher. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien. Bah alors, vas-y. Le mec, il part, il s'arrête d'un coup. Ça, je comprends pas. En retrait pour repartir proprement. Ils sont patients dans la construction, mais il faut faire la différence.
T'as vu, le ballon, je le vois pas là, sérieux. Trop bizarre l'effet. Enfin, on compte faire les matchs tous 1-0 ou comment ça se passe? Le jeu est fluide, les joueurs se sont bien trouvés lors de ces premières 45 minutes. Espérons peu que ça continue comme ça. 1-0, on espère quand même voir un peu plus d'efficacité offensive en seconde période. Ouais, j'avoue. L'arbitre siffle le coup d'envoi. Ça va, on a 3 points déjà. Oui, et je me demande comment ils vont aborder cette deuxième période. Moi, ce ballon. Cherchant à faire le break, c'est mon ballon. Tu me le donnes. À moi. Clermont qui essaye de construire. Allez. Goyos. Il y a peut-être un coup à jouer. Allez, c'est parti. Il y a personne. Castledine. Mais il me gêne. Ça va sur l'aile. Voici Sanoun. C'est chaud, hein. Redmond, qui est donc mais non, mais pas lui. Mais j'ai jamais fait pas ça lui, allez. Il cherche la profondeur. N'importe quoi, sérieux. Il fallait intervenir. Mec, j'ai une passe devant, il fait une passe... Je sais pas où, là. Va-t-il en profiter? Putain, mais t'as jamais le temps de tirer, en fait. Dites-moi, c'est ça, le problème. Votre sentiment sur cette rencontre? C'est toujours accroché, mais il devrait se mettre à l'abri. En fait, ils sont trop lents, les joueurs. Ok, j'ai rien compris. Allez. Y'a faute. Avantage. Hein? N'importe quoi. Ça sait même pas faire une passe. Il cherche son coéquipier. Ouais, c'est mort. Regarde le but. Ils sont passés tout près d'égaliser. Ouais, je l'ai vu en plein dedans. On profite de cet arrêt de jeu pour effectuer un changement. Et deux changements d'un coup. Peut-être un changement tactique ou simplement du sang frais. Ok. Allez, au moins un deuxième but là. Parce que un but par match, ça commence à être chiant. Ouais. Déjà de marquer, c'est un exploit. Chambly qui mène toujours 1-0 à quelques instants de la fin. Ça bouge côté gauche. C'est bien ce qu'il fait. S'il marque sérieux, je pète un câble. Dans le paquet. Il a tenté, bien joué. Non. Le centre dans la surface. Ça manque un peu de précision. Putain, j'ai flippé. C'est vraiment dommage. La contre-attaque. Quelque chose. Ça part. Ouais, ça part. Go, go, go. À qui? On sait pas. Et il fait pas la passe, évidemment, alors que j'ai fait la passe. On a 3 points. Yes. On dirait Cavani, lui, un peu. On est malheureusement obligé de se quitter maintenant, Darren. Merci d'avoir vécu ce match à mes côtés. Très belle soirée à vous tous. A très bientôt. Merci à vous, mon cher Grégoire. Enfin, nos premiers points. Putain, ça fait du bien. Mais sérieux, je vire comme c'est chaud pour marquer. Pourquoi ça fait... Ça peut pas passer plus vite? Bon, allez, on a le temps de faire un troisième match. Alors, le classement, on est où? Ah, 16e. On n'a pas beaucoup monté. Ouais, ça va être chaud, cette histoire. Ah, c'est que les deux premiers qui passent en Ligue 1. Super. Quatrième journée contre 3. Comment ça, première journée, chapitre 3? On a dépassé les attentes générales. Même la presse a cessé de nous charrier. Continuez que ça, s'il vous plaît, d'accord.
On est 16e, on a dépassé les attentes. Ok. Très bizarre. Ah, négociation. Bonne équipe. Non, toi je te garde. Toi, garde aussi. Ah. Attends, je crois que j'ai fait non à l'autre. Voilà. Il y en a un que je veux vendre. C'est lui, je crois. J'avais mis en vente. Par hasard, personne ne va le vouloir. Alors, joueur à suivre. Mais il faudrait un défenseur. Mais... Je verrai plus tard. Bon, les messages. Équipe du mot. Haïtish. Ah ouais. Beaucoup de messages. Bon, allez, go. Troisième match. Alors, s'il y en a qui sont fatigués. D'ailleurs, comment on y voit ça? Ah oui, il y a la barre bleue. Ils ont l'air d'être bons. Bon, reste comme ça, hein. Aïe. 3 points supplémentaires, ça serait bien. Chambly, Chambly, Chambly. Je crois que la Ligue 1, ça sera pas pour la saison prochaine. Stade de l'Aube. Un stade qui a de nouveau fait le plein. Un petit point météo, il se pourrait qu'il pleuve pendant cette rencontre, qui pourrait être synonyme de ballon qui fuse. Oh non, pas la pluie. Qui accélère. C'est un enfer pour les gardiens, ça on sait, mais ça peut donner plus de spectacle pour vous, les téléspectateurs. Au passage, j'espère que vous appréciez ce stade. Plus un siège de vide. Quand dire ça à chaque fois, à chaque stade. Est un peu au creux de la vague en ce moment. Oula, c'est quoi cette tête consécutive. Oui, ils ont vraiment du mal ces derniers temps. Je sens pas trop, je vais me faire éclater, champ. Prends là. Non, t'es sérieux? C'est quoi ce défense pourri? On est bavard, il peut frapper. Melnikov, quel arrêt! Un long ballon vers l'avant. Chambly. La défense, c'est pas ça. Une seule victoire. Ça part. Dans quel domaine? Oui, ça part. Progresser à votre avis, Darren? C'est difficile à dire, mais bon, il n'y a pas de quoi s'alarmer non plus, Grégoire. Ok. Une victoire aujourd'hui, et ce bilan serait déjà bien plus favorable. Un centre encore. À qui? Je sais pas. On voit mais en tout cas, j'ai centré. Sans rire. Oui, mais il me chambre l'anglais, mais j'ai raison ou pas? Oui, oui, bien sûr. Mais c'est normal, quand vous êtes face à une défense regroupée dans l'axe, sur les ailes, ils ont plus d'espace, plus de temps pour trouver la bonne solution. Putain, ils sont chauds trop, hein. Ils sont chauds comme la braise, hein. Il allonge le jeu. Il a un problème, lui? Voilà. Non, mais t'es sérieux? Mais je peux l'avoir, la balle, s'il vous plaît? On est en difficulté légende ou quoi? Je comprends pas. Ouf. Oh, j'ai eu chaud, là. J'ai fait faire une belle connerie. Ah ouais, et je fais quoi? Physiquement pour récupérer ce ballon.
Chambly qui va rejoindre les vestiaires sans encaisser de but dans le dernier quart d'heure. Ça ne lui était pas arrivé depuis un certain temps. C'est sérieux. Il allonge vers l'avant, sur la gauche. Le scamille commentateur. Il décide d'allonger Margoton, le jeu. Tu te calmes. C'est reparti, ils peuvent contrer. Ah oui, je l'avais pas eu lui. C'est joué dans l'espace. Oh non. Coup de sifflet, hors jeu. Putain, j'en étais sûr. Non, en plus, je le vois qu'il est hors jeu, mais je lui fais passe. Ah ouais, quand même. Et la Jam qui choisit la profondeur. J'ai pas la balle, quoi. Saint-Louis. Ouais, bah FIFA à côté, c'est pour les gamins. Hein. Il est en bonne position pour centrer. Hors jeu, apparemment. Ah. Il a mi-temps, tu la siffles quand ? Parce qu'on est bientôt à la 50e minute quand même. Je dégage ! C'est la mi-temps où les joueurs vont pouvoir reprendre leur souffle, et nous aussi d'ailleurs. Chambly qui regagne les vestiaires sans avoir réussi à faire la différence dans ce match. C'est peut-être le moment de faire un peu de coaching. Il faut vraiment avoir le moral, ouais, pour jouer. Et si on faisait un petit changement ? Pas une seule frappe dans les 45 premières minutes. C'est du jamais vu. Aucun but marqué d'un côté comme alors de l'autre. 0-0 à la mi-temps. Je m'explique, lui je l'avais mis sur le terrain et il n'y est plus maintenant. Je vais le mettre là. Non. Voilà. Ah mais il correspond pas lui. Ouais, bah tant pis, hein, je vais laisser comme ça. Faire rentrer vite Victor Silva. La seconde période est lancée, voyons ce qu'elle nous réserve. Ils ont vécu une première période très compliquée. J'imagine que le manager les a remotivés à la pause. Espérons qu'ils corrigent le tir dans cette deuxième mi-temps. Putain, mais je peux même pas tirer quoi. C'est pas comme à FIFA, tu te dis je vais tirer de loin. Non, là ça marche pas. Ça, c'est là, tu tires de loin, t'es toujours contré, sérieux. Chambly qui va tenter d'enchaîner après sa courte victoire lors de la dernière journée. Après une première mi-temps sans but, la seconde s'annonce de la même facture. Ah, tout est tout. Je fais ce que je peux. Merde. Le bon dribble. Le centre est parti. À qui ? Le bon dégagement. Ah dommage. Mauvaise intervention, faute là-dessus. T'es sérieux ? S'il fait une faute là-dessus, lui. Alors que je joue le ballon. D'accord. Le jeu veut pas que je gagne en fait. Il cherche son coéquipier. Jam, la passe dans la profondeur. Ils sont trop forts. Sur le côté. Aïe, 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 aïe. J'ai cru qu'il allait avoir pénalty là. Voilà une bonne occasion de contre. Oh, ça a peur. Go. Bouge ton cul. Putain, mais je peux rien faire. C'est impossible, ça. Sur ce coup. Il demandait le ballon à gauche et avec le recul, c'était sans doute une meilleure option. Après, je vais retourner sur FIFA, moi. Sukyunjo qui écarte le jeu. Allez. Ah, j'en peux plus, moi, sérieux. C'est trop dur. Il est monté tout en haut du ciel pour la reprendre, celle-là. Beaucoup de sang-froid pour mettre cette tête. Le geste était parfait. Sukyunjo. Ouais, bah on est au fond du trou. Premier but de la saison. On est au fond du trou. L'entraîneur est désormais face à un dilemme. Doit-il continuer à jouer de la même manière ou changer de tactique ? Vous avez 4 heures. Ouais, bah je crois que je vais changer la composition. Redmond. Castledine. Oh, même là, ça rentre pas. Alors ? Putain !
Bah alors cette longue phase offensive, mais ils jouent pas, mes joueurs. Une perte de balle, c'est dommage. Donc ça va partir vite. Arcas qui centre. Le bon jaillissement. Mais attention, le temps file. Il faut mieux utiliser le ballon. En fait, j'ai une équipe qui joue pas, en fait. Il écarte sur l'aile. Ah oui, c'était l'occasion de tuer le match. Carlsen. Mais je peux rien faire, c'est incroyable. S'il le trouve. Dès que j'arrive en attaque, je perds la balle. Ok, passe à travers, vas-y. Il tente de la jouer dans le 2-0, l'espace. Vas-y. Pire équipe c'est du monde, terminé, sérieux. L'arbitre siffle la fin de cette rencontre. Ce n'est ni la faute de l'arbitre, ni la faute de l'entraîneur. C'est sur la pelouse que cette défaite logique s'est jouée aujourd'hui. Alors, que retenir de cette rencontre? Vous savez, la défaite, ça fait partie d'une saison. Le truc maintenant, c'est de rebondir, c'est de travailler, c'est de trouver des nouvelles réponses. On a pas envie de rendre l'antenne d'arrêt, mais il le faut après avoir vécu ce magnifique match. À très bientôt pour d'autres bons moments de football. Salut. Merci Grégoire. On remet ça. C'est la débandade. Bon, bon, on va se laisser là-dessus. Hein. 16e. Guingamp premier, 12 points. T'as en plus 3, ils étaient derniers. Je sais pas, il y a... Ah non. Ah mais c'est trop dur, sérieux, ça. Je vire. Ah bah, prochain match Coupe de France contre Nice. Bah là, je vais vous dire qu'on va se faire éclater. Moi, je vous le dis. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et j'espère qu'on gagnera la prochaine fois. Ciao.